Bonsoir tout le monde. Dans cette vidéo, on va essayer de voir c'est quoi un chat GPT. Chat GPT, donc c'est quoi un chat? C'est un outil conversationnel établi à partir d'une intelligence artificielle. D'accord? Il est capable d'échanger sous forme de messages. Donc, c'est-à-dire, vous allez poser des questions, il va vous répondre. Donc, n'importe quel domaine. Moi, en tant qu'informaticien, j'utilise le chat GPT pour générer des codes sources dans n'importe quel langage, React, donc Flutter, Ionic, Angular, tout ça. D'accord? Donc, on va voir ça. On va voir l'installation de GPT et on va voir comment on va demander à ChatGPT de développer un certain module. Et vous allez voir, le résultat, c'est passionnant. Parfois, le code n'est pas à 100% fiable, mais quand même, on a une boîte de solutions qui peut être utilisée dans nos programmes. OK, là, donc, comment faire? Donc ici, donc ça c'est ChatGPT, donc vous pouvez lire ce document-là. Donc là, d'accord. Donc aussi, il y a une autre définition. Donc c'est quoi un chatbot conçu pour la société, par la société américaine Open Source. D'accord. Donc, il est capable de répondre à vos questions, reconnaître ses erreurs, contester des... D'accord. OK, donc là, on va voir ça. Donc, comment installer ChatGPT? On va aller dans OpenAI. Donc là, vous écrivez openai.com. Et là, on va aller ChatGPT. OK, là. Donc ici, try ChatGPT. Là, welcome to ChatGPT. Là, qu'est-ce que vous avez? Donc, moi, j'en ai un compte déjà, mais je vais créer un nouveau compte. Donc ici, je vais faire sign up. OK. Donc, il va vous donner votre adresse email. Vous spécifiez votre adresse email. Donc, moi, je vais utiliser. Donc, c'est pas ça. J'ai une adresse email. Je vais utiliser cette adresse email-là. OK, là. Ici. Je vais mettre ça. Donc, continuer. Il va vous demander votre mot de passe. Donc, je vais faire un mot de passe ici. Je vais faire. OK. Continuer. Vous dites, j'ai envoyé un email. Là, il va vous envoyer un email. D'accord? Il send un email to test.symfony.com. D'accord? Donc, ici, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais voir. Je vais avoir. Donc, d'accord? J'ai l'email. Donc, il vous dit, vérifiez email adresse. Vous cliquez ici. D'accord? Donc, il va vous envoyer un email. Donc, moi. Moi, j'ai fait ça parce que là, j'ai changé. J'ai déjà créé un compte et j'ai perdu le mot de passe. Donc, j'en ai ce mot de passe-là. Je vais mettre ici. Ici, l'email. Vous cliquez ici. D'accord? C'est ça. Donc, une fois, on a c'est ça. Donc, on a eu un message. Donc, on va vérifiez votre email adresse. Je fais OK là. Donc, je vais écrire mon nom. Je vais écrire mon nom ici. Je vais continuer ici. Votre numéro de téléphone. Donc, vous allez donner votre numéro de téléphone ici. Une fois que vous avez donné votre numéro de téléphone ici, donc ici, vous devez donner votre numéro de téléphone. OK, je vais donner mon numéro de téléphone. Là, vous demandez, please enter the code which ascends, c'est-à-dire le numéro qu'on a envoyé. Donc, si vous devez vérifier sur votre téléphone le numéro aussi.
Je vais saisir le code que j'ai reçu là. Une fois que vous avez tapé votre numéro de téléphone, vous allez voir cette fenêtre-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc là, on va faire New Chat. Donc là, ici, on ne va pas faire New Chat. On va faire New, on va donner un texte ici. Donc là, on va par exemple écrire, on va demander à Chat GPT de nous écrire le code HTML qui permet d'afficher un message et avec un lien hypertexte. OK, écrire un script. Programme. Un script. Script. Écrire. Écrire. Un programme. HTML qui permet d'afficher un message. Un message ici avec un lien hypertexte, avec un lien hypertexte, un lien hypertexte, hypertexte. Donc ici, je vais corriger ça. Hypertexte, un message ici. Écrire ça, je vais envoyer. OK, donc on attend un peu. Donc, vous voyez là, il a mon message. D'accord? Donc, vous voyez l'HTML, head, le body. D'accord? OK. Et là, tout ce que vous allez faire, c'est de copier ce code-là et vous pouvez le tester là. OK, moi, que je vais faire, je vais copier ce code-là. OK, je vais essayer. Je vais faire CTRL V, je vais saisir fichier, enregistrer sous test chat GPT. Là, je vais choisir l'extension .html, .html. Je vais sauvegarder sur le bureau, enregistrer ici. Donc, en principe, si je viens ici, ChatGPT, donc, est-ce qu'on va tester? Vous voyez ici? Donc, ça, c'est le code qui a été fourni par ChatGPT. Vous voyez ici? Donc, ici, parce que là, OK, parce que dans le code ici, il faut saisir, si vous voulez voir, visiter un site, il faut mettre le nom du site ici. OK, là. D'accord? Donc, ça, c'est l'exemple qui a été fourni par le chat GPT. Je reviens ici. Et on peut faire l'exemple, écrire un programme React. Qui permet écrire un programme React. On va attendre un peu.
Voilà. Oui, donc, nom, cet nom, quand student, ce nom, adresse. D'accord? En fait, ce sont les attributs. Si vous connaissez React, ce sont les attributs. Donc, il a créé la. D'accord? Ajout d'un étudiant. Vous avez le formulaire. Le nom. C'est génial. Sincèrement, c'est génial. C'est-à-dire, sans se casser la tête, vous pouvez créer votre programme là et vous copier-coller ce code-là et. Ce n'est pas la peine de se casser la tête à écrire ce code. Donc là, on change, là, on va commenter si vous connaissez React. Donc ici, voilà, même il donne la liste. C'est-à-dire, dans le formulaire, il va vous permettre en haut la saisie des étudiants et en bas, il va afficher la liste des étudiants. Donc ça, la liste là, le map ici, là. Ajouter là. Donc, vous voyez, il a utilisé l'auxiliaire status. Donc, ici, si vous regardez, donc, qu'est-ce qu'il a utilisé? React, function app, constant. Donc, hein, ici, il va initialiser là. Donc, cet nom, c'est l'adresse. Donc, on change ici, qu'est-ce qu'il a mis? On change cette adresse et target value, c'est-à-dire quand vous cliquez, il va, donc, quand vous allez changer, il va mettre l'adresse dans la valeur saisie dans l'adresse ici. Ici, c'est idem, donc vous avez le matricule, c'est à vous de saisir le matricule, c'est à vous de saisir le nom, l'adresse. Une fois vous cliquez sur submit, Submit, il va ajouter les données et il va afficher les étudiants ici. On change, Submit, donc ici. On Submit, donc voilà. Qu'est-ce qu'il a fait lui quand il va saisir? Vous allez faire un Submit et mettre les données dans la liste. Chaque fois que vous cliquez sur valider, il va mettre ces données dans le cette student ici. D'accord? Et là, il va afficher. Voyez ici, il va faire un map. Students.map.map. Donc, il va parcourir la liste des étudiants. Il va afficher la liste des étudiants ici. Idem, on peut mettre ici, écrire un programme. Programme qui permet Spring qui permet de créer l'entité étudiant dans les attributs ils sont matricule non adresse téléphone. Ici, Spring. Là, je vais cliquer ici. Package.com. Faire le port de l'assistance. Donc, il avait généré le code ici, générer type, JavaScript, entité étudiant. Il va générer, donc là.
Rabbi Tostring ici, consulteur avec le nom de d'accord, un consulteur par défaut, un consulteur donc SVT. Et imaginez les 7,24 et les gâteaux ici. C'est-à-dire sans vous casser la tête. Oui, si, je reviens à mon projet ici. Par exemple, j'en ai ici le projet de son d'école. Ma school ici, si je prends l'entité ici, modèle étudiant, et ici, c'est qu'il a fait. Donc, là, bien sûr, ça, il a fait l'import ici. D'accord? Il a généré, voyez ici, ça. Il a fait ici, oui. Ici, ce sont, il a généré ça. Donc, si je reviens à mon code ici, c'est la même chose. Ici, donc vous avez ici, vous avez généré. Donc, il a créé les attributs. Donc, la même chose ici. On a les attributs ici. Et il y a les get transitter. Ici, les get transitter, il les a mis ici, oui. Il y a aussi constructeur. Using field ici, constructeur. D'accord? C'est le constructeur. C'est pas classe. Donc là, on peut faire aussi. Donc je vais faire écrire un programme. Ionique, ionique, permet l'ajout d'un user dans les attributs. Code, username, password, error. Avec, ok. Et ben voilà, donc là, on attend un peu le code. En principe, de répondre, ça prend un peu de temps, mais ben, donc juste pour vous montrer la capacité, qu'est-ce qu'on peut faire avec ChatGPT là. C'est dans tout le domaine. Moi, j'utilise ChatGPT dans le langage. Parfois, quand je ne trouve pas de code, quand je vais prendre un code déjà, donc sans se casser la tête, je peux prendre tout un script et mettre dans le programme. Donc là, aussi, si on a un code où il y a une faute, il peut le corriger pour vous. D'accord? On attend un peu ici. Donc ici, vous voyez, ici, voici un exemple de code TypeScript pour une application en ligne qui permet d'ajouter un user. D'accord, vous voyez ici,
et en containte, et en liste, et en item. D'accord? Donc, j'espère que vous avez compris ça. C'est-à-dire, vous pouvez utiliser dans ChatGPT dans n'importe quel exemple. Donc, c'est pas. Donc, comment préparer une omelette. Une omelette. C'est pas comme ça ou c'est pas comme ça. Omelette. Omelette. Donc là, vous voyez, je peux utiliser ChatGPT dans n'importe quel domaine. OK? Merci pour votre attention et merci. OK. Bonne nuit.